Hey, j'ai vraiment hâte de voir qu'il va se présenter contre nous autres aux élections. Ouais, ils ont absolument aucune chance. Tellement. Le visage de l'école Sacré-Cœur va complètement changer grâce à nous. Lucas! Éléonore, qu'est-ce que tu fais là? Dis-moi pas que tu te présentes à la présidence de l'école toi aussi, là. Ben oui! Tch! Franchement, toi, Éléonore! Excuse-moi. Cool. Drôle d'idée, mais... cool. Ben non, c'est une blague! C'est ben trop plate la politique. J'ai dit ça à une fille qui fait des discours? Non, en fait, le directeur m'a forcé à gérer les élections. Il m'a dit que ça compensait pour tous mes retards, mes cours. Tu sais, c'est pas ma faute si ma montre monte pas la bonne heure. Je pense qu'elle a plus de batterie, Éléonore. Des quoi? Des batteries. Ok. Moi, je suis venue donner ma candidature pour les élections. Fait que. Merci! Hey, merci Francis. Je sais que ça tentait pas pantoute de faire ça. C'est bien correct. Puis je sais à quel point c'est important pour toi de te présenter puis de débarquer Emmanuel de la présidence. Ouais, c'est une folle, cette fille-là. L'année passée, là, elle a fait annuler toutes les sorties scolaires juste parce qu'elle trouvait que c'était plate. Ouais, mais les gens votent quand même pour elle. Parce qu'elle est populaire. Alors que moi... C'est pour ça que j'avais besoin de toi, Francis. Avec toi, on est sûr de gagner. Tout le monde t'aime à l'école. T'aurais quand même pu te présenter, Émilie. En plus, j'ai entendu dire qu'Emmanuel, elle se présentait pas parce qu'elle fait le bal de finissant. Tiens, tiens, tiens. C'est pas Francis pis c'est Croupy. Qu'est-ce que tu fais là, Denise? On est venu jouer à Marielle, vous autres? Ah ouais? Je pensais qu'on était venu donner notre candidature pour les élections. C'était sarcastique, Charline. Ah! Wow! Vous êtes tellement l'air d'une belle équipe. T'es qui, toi? Oh, puis je m'en fous. Vous avez aucune chance contre moi. En plus, j'ai une petite surprise pour vous. Ah oui? Quoi? Salut! Manuel? Je pensais que les secondaires 5 pouvaient pas se présenter parce que vous êtes sur d'autres comités. Je me présente pas non plus. Je suis venue à pied mon amie Denise. Ton amie? Comment ça, ton amie? Ouais, je suis venue m'assurer qu'elle gagne les élections. J'espère que je te fais pas trop pleurer, mon petit Francis. Bye, les losers. Merde! Comment ça qu'elle se présente, elle? Elle fait peur à tout le monde. C'est sûr qu'elle va menacer le monde pour qu'il vote pour elle. Plus c'est appuyé par Emmanuel. Ça va vraiment pas bien, là. Ok, on se calme. Vous parlez comme si on avait déjà perdu. On va travailler plus fort, c'est tout. En tout cas, elle n'a pas une super belle aura, elle. Son âme est noire. Hey! C'était quoi cette attitude de marde-là? De quoi tu parles? Excuse-moi, mais c'est comme ça que ça marche. Si je commence à jouer à gentille fille, y a jamais personne qui va prendre pour moi comparé à Francis, puis tu le sais. Ok, mais arrête ça. Moi, là, je le sais, t'es qui. Je sais, c'est qui la vraie, toi. Je suis pas à ça, ok? J'ai pas le choix d'être stratégique si je veux gagner. Laisse-moi faire. Ça te gosse pas, toi? Quoi? Ben, de faire toute la job pendant que Francis a juste à croiser des filles pour avoir des votes. C'est chacun sa job. Francis, c'est Justin Trudeau qui peut nous faire gagner contre Donald Trump. Pis toi, t'es qui? Moi, je suis la fille que personne connaît, mais qui fait une vraiment bonne job. Ouais, mais ça me gosse quand même là, de faire toute la job pendant qu'eux ne font rien. Hey, merci de m'aider. T'es vraiment la meilleure amie du monde. Je sais. Tu peux t'aider, ma belle Denise? Je veux pas mêler de ce qui me regarde pas, mais il me semble que vous devriez rester ensemble, surtout quand vous promenez à l'école comme ça. Pourquoi? Ben, ça crée une belle cohésion dans l'équipe. Chut! Ouais. De deux, on n'a pas moyen de savoir ce que vous faites dans notre dos si vous êtes dispersé un peu partout dans l'école comme des microbes. Pis fais attention, Francis, c'est une coupe de mouche qu'elle a au derrière. C'est nous, tu traites de mouche? Mon Dieu, Fanny. Attention, tu me fais tellement peur.
tu penses pas que tu devrais préparer ton discours électoral au lieu de te pavaner comme une dictatrice dans l'école? Oh, t'es tellement cute! Que t'as pas, microbe, mon discours est déjà prêt. Bonne chance, vous allez en avoir besoin. Bonne chance toi-même. Merci, Fadi, c'est super gentil. Hey, belle chemise en passant. Péo, wake up, t'aurais pu dire quelque chose? Elle a voulu nous intimider. La bitch. Gang, venez voir! Ils ont enlevé toutes nos affiches. Aïe, aïe, franchement, on n'a pas 6 ans. Non, mais je propose qu'on attende avant de sauter aux conclusions. On sait même pas c'est qui. Les cours sont finis, il reste juste nous dans l'école. Ouais, pis... Ben, je suis pas Sherlock Holmes, mais s'il y a juste nos deux équipes dans l'école pis que c'est pas nous, Ouais. Je pensais qu'on se faisait pas de coucher pour cette élection-là. Ouais, pis si on les laisse faire, qu'est-ce qu'ils nous disent qu'ils vont pas recommencer? On se laissera pas faire, là. On va leur prouver que nous autres ici, on est capables d'en faire des couchers. Venez-vous-en. Hey! J'ai jamais reçu mon chèque en passant? J'ai dit que je te donnais 500$ si je gagnais, pis c'est pas encore fait. Hey, la SMAT, c'était pas ça le deal. Regarde, si tu veux ton argent, arrange-toi pour te débarrasser de Francis pis de la têteuse Émilie. Ok, arrête de me niaiser. Tu le sais que j'en ai besoin de cet argent-là. Tu le sais que mes parents, ils ont pas d'argent pour payer mon billet pour le bal, ni pour la robe. Mon Dieu, tu vas me faire pleurer, arrête. C'est pas de ma faute si t'as pas une scène, hein? On s'est entendu. Je t'appuie si tu me payes. Non. Je paye si je gagne. Tu travailles pour moi? Excuse-moi, chose, je suis pas ton employée. Ah ouais? On laisse faire le deal d'abord? Ouais, bonne chance pour gagner maintenant. Excuse-moi, mais t'oublies-tu quelque chose? Je sais que t'as amené de l'alcool au dernier party de Noël, puis j'ai des vidéos pas mal compromettantes de toi. À ta place, si tu veux pas que ça se retrouve sur Facebook, ben je m'arrangerai pour faire ce que je dis. T'es vraiment une bitch. Merci. Denise, qu'est-ce que tu fais là? Pour qui tu te prends? Tu sais pas de quoi tu parles. Ah non? Puis elle est rendue où la fille full nice pis drôle que moi je connais? Ces élections-là, c'est une chance de prouver que je suis quelqu'un pis que je suis intéressante, ok? Je vais pas laisser le trop cool, trop beau Francis gâcher cette chance-là. Ok, mais t'as pas besoin d'envoyer chier tout le monde pour prouver que t'es intéressante. Je te connais depuis qu'on est à peu près haute de même. Je te reconnais plus, je sais plus t'es qui. Parce que tu penses que tu me connais? Tu sais rien de moi, ok? Tu sais pas par où je suis passée, ni même ce que j'ai vécu. Non, t'as peut-être raison. Je te connais peut-être pas. Ouais. Et tu sais quoi? Je quitte les rouges. Je vais aller rejoindre Francis. Lui, il prend soin de moi. Il fait attention à moi. Fais ce que tu veux. Je m'en fous. Ok. Lord, can you hear me now? On va commencer par un offensive Facebook. Question que les coups bas de données s'arrêtent tout de suite. Ouais. J'ai créé un compte Facebook au nom de Marie-Pierre. Depuis ce matin, moi et Fanny, on pose des commentaires de Marie-Pierre Dutille sur sa page Facebook des Rouges. J'ai entendu dire que Denise avait comme projet de faire respecter le carême à la cafétéria chaque année. Quelle bonne idée. Excellent. Merci, Denise, d'avoir empêché le transfert d'une élève syrienne en secondaire 4. Les valeurs de l'école Sacré-Cœur sont entre bonnes mains. Non! T'as pas écrit ça! Ben là, faut être drastique si on veut gagner. Les élèves ont peur qu'on soit juste un conseil qui de partir. Ils ont l'impression que Denise va leur offrir des rencontres avec des vedettes. Ben, tu sais, moi je connais Bernard Adamus, hein. La mère de Denise est amie Céline Dion. Mais voyons donc. Ben ouais, ça a de l'air que la meilleure amie de Céline que personne connaît, ben c'est la mère Adamus. Non, mais vous comprenez pas, là. Tant que Céline peut pas venir donner des cours de chant à Sacré-Cœur, là, elle habite à Las Vegas. Ben oui, parce que c'est le tout Québec, elle viendrait souvent. Ricardo a accepté de venir donner des cours de cuisine si Denise gagnait. Ça va, Denise? Ouais, super bien. C'est sûr. Je te dis que je vois bien, c'est parce que je vois bien, ok? Hey, est où Sarah? Elle est partie rejoindre son beau Francis. Ah ouais? Je savais pas qu'ils sortaient ensemble. Hey, c'est plus notre problème, ok? Tu peux-tu te mêler de tes affaires? Ok. En gros, j'ai caché des micros microscopiques en dessous des macarons des bleus ce matin. Combien ça a coûté ça encore?
Rien, Séraphin. Je les avais chez nous. Hey, il y avait une Marie-Pierre Dutille qui arrêtait pas de faire des commentaires weird sur notre page Facebook depuis ce matin. Ouais, puis. Ben, en faisant mes recherches, j'ai découvert que c'était un faux profil inventé par les Bleus. Oh! Ben, qu'est-ce que je fais? Je le dénonce à Facebook? Ben non, espèce d'épée! Sinon, là, ils vont savoir qu'on le sait. Mais là, on fait quoi d'abord? Ça devient vraiment compliqué. J'annonce un faux profil à Charline. Charline, tu vas taper Charlotte. Moi? Pourquoi? Parce que... Là, sur le nom de Charlotte, tu veux publier sur leur page Facebook que tu trouves que c'est vraiment une bonne idée que la bouffe de la cafétéria devienne végétalienne, bio, sans gluten, même si ça va coûter 5 fois plus cher. Puis aussi que l'idée de couper le Wi-Fi 3 jours semaine, ça va être super pour la santé des profs et des élèves. Puis assure-toi, contacte Francis dans cette publication-là. Francis? Pourquoi on va regarder de même, là? C'est stressant. Réfléchis pas trop, Charline. C'est pas bon pour la santé. Comme si elle était capable de réfléchir de toute façon. Ok, là, tu vas me parler. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas de tes affaires. Je suis ta meilleure amie. Fait que oui, c'est de mes affaires. C'est Sarah, c'est ça? Va pas là. Tu vas me juger toi aussi. Jamais. Je t'aime ben trop. Parle-moi. Tu veux que je te dise quoi? Que j'ai pas vraiment été renvoyée de ma dernière école? Que je suis partie parce que tout le monde me traitait de lesbienne parce que je tombais amoureuse d'une fille? Je pensais que ça partirait. Ben non! C'est toujours là. Puis oui, je tombe amoureuse de Sarah. Je m'haïs tellement, là! C'est quoi, tu dis plus rien? Tu savais que j'aurais pas dû t'en parler. Non! Je m'attendais pas à ça, c'est tout! Je savais pas, je pensais pas. Pourquoi tu m'en as jamais parlé? Parce que j'ai honte, tu comprends? Mais t'as tellement pas à avoir honte! Tu sais pas ce que c'est, puis tu sauras jamais! Allô? Ça va? Ça va. Vous le savez pour Marie-Pierre Dutille? Ah, quoi? Le faux profil Facebook? Je sais pas de quoi tu parles. Tu le sais, Marie-Adile. Je joue pas cette game-là avec moi. Moi, je joue pas une game. Je vous laisse... Je voulais savoir pour l'autre soir, là. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas quoi dire. Tu y penses plus du tout? Si j'y pense plus, on a eu une super belle soirée. On s'est embrassés, tu m'as dit plein de belles affaires, puis bam. Plus rien. Aucun texto. Rien. J'étais tellement con. Qu'est-ce qu'il y a, P.O.? Qu'est-ce que j'ai fait, Pogorek? Non, t'as rien fait. T'as rien fait, T'es parfaite, Marie-Odile. T'es parfaite. C'est moi. C'est juste moi. J'avais peur. Je sais pas si tu m'excuses. Ok. Je voudrais qu'on se revoie si tu veux. Parce que tu sais ce que tu veux? Oui. Puis. Je veux être avec toi. Je sais pas, Pio. Tu m'as tellement déçue. Ça me tente moyen que t'ailles te répéter ça, Denise. Moi pis Denise, on est plus ensemble. Je veux dire que je suis plus d'un rouge, là. Restes-tu de la place dans ton équipe? Je pensais que vous étiez inséparables. Ça a l'air que non, hein? Il va toujours y avoir de la place pour toi dans mon équipe. Salut! Je voulais te dire bravo pour les trucs que tu fais sur le web. Je les ai toutes lues, ils sont vraiment bons. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais que c'est anonyme, ton affaire. En tout cas, on peut changer de sujet? Comment ça t'es rendue amie avec Denise? C'est une longue histoire. Tu sais ce qui va arriver, sa gang? Elle va penser qu'elle peut intimider tout le monde. Ben oui, je sais. Je suis un peu coincée, maintenant. En tout cas, c'est toi qui as si été élue, ça va être un peu de ta faute. Mm-hmm.
parler. Vous placez ici, vous parlez. Ah, merci. Je savais pas qu'il fallait qu'on parle. Quoi? Je pourrais l'avoir dit dans... C'est sarcastique, Eleanor. Ah. Wow! Elle est belle, ta bête. J'en avais une pareille, mais un jour, je l'ai mis dans un sac et... Je ne sais pas, elle est disparue. Depuis ce temps-là, je pense toujours à elle. Bon, c'est pas que ça nous intéresse pas, là, mais... Que je vais devenir plus tard? Astronaute, mais à ce qui paraît, c'est pas un vrai métier. Ok, est-ce qu'on peut commencer? Oui, t'as pu juste choisir qui va parler en premier. Commencez, ça me dérange pas, on n'est pas pressé. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Au lieu de laisser le chef du Parti Bleu, en l'occurrence moi, parler tout le long, on a décidé de vous parler en collectif. Pour nous, l'école, c'est plus que des chiffres et des notes. C'est une manière de grandir, apprendre et devenir meilleur, si possible. On a plein de super belles idées pour rendre cette école extraordinaire, comme des cours de méditation, des sorties culturelles et des menus plus variés à la cafétéria. Vous savez que je viens d'arriver à l'école et j'ai trouvé chez les Bleus un esprit de famille qui me fait sentir moins seule. Et on pense que c'est exactement ça le but d'un conseil étudiant. C'est pourquoi tous les élèves seront jumelés avec un correspondant à l'étranger. Les artistes parmi nous, Fanny et moi, dans le fond, on voudrait... Non, pas moi. Ben oui, on a toutes lu la fanfiction que t'as faite sur Twilight. Fanny 96. Non, personne ne peut prouver que c'est moi qui ai écrit ça. Fanny, t'as écrit ton nom en dessous. OK. Donc, pour nous, l'art, c'est important. C'est pourquoi nous voulons avoir des options obligatoires, autant que chimie physique. De plus, nous comptons imposer aux élèves les plus riches de payer le lunch des élèves les plus démunis. Puis aussi, il va y avoir des smartboards dans toutes les classes pour qu'enfin Sacré-Cœur passe dans le 21e siècle. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, tout le monde. N'oubliez pas, votez Francis. Plus de congés, plus de devoirs, puis de la pizza tous les midis. Francis, de quoi tu parles? Pis des parties tous les vendredis! Ouais! Chers élèves, chers professeurs, membres du conseil administratif et personnel de la vie scolaire, comme nous considérons que la campagne électorale doit être prise au sérieux, loin de nous l'idée de faire de ce discours électoral une vulgaire démonstration de nos talents d'animateurs de foule, contrairement à nos adversaires, je laisserai la parole à ma meilleure amie et votre présidente adorée, Emmanuelle. Fais attention à ce que tu vas dire. Chers élèves, je crois sincèrement que la meilleure personne pour prendre ma place à la présidence est Denise. Elle a toutes les qualités d'une bonne leader et surtout, c'est la personne la plus gentille et généreuse que je connaisse. Votez Denise. Bonjour tout le monde. Quand je suis arrivée à cette école, eh bien, je l'avoue, Denise était pour moi légèrement intimidante. Mais j'ai vite compris que sous dehors les apparences froides, Denise cachait un cœur d'or. Et elle a beaucoup de rigueur et de détermination qui permettrait d'être entre bonnes mains et d'être toujours première au palmarès des écoles secondaires de l'actualité. Je suis allée, Denise, là. Désolée, Marie, désolée. Je peux plus te suivre. Mais, Charline, si tu t'en vas, on n'a plus de représentants pour secondaire 1 à 3. Ben, John, c'était en secondaire 2. Ouais, c'est vrai. Peu importe, on s'en fout. Laissez-la partir. On n'est pas une secte, nous. Emmanuelle, dis quelque chose. Allô, t'es sourde? Mais tu feras ce que tu veux avec les vidéos. Je suis tannée de faire semblant que t'es géniale quand t'es la pire personne que je connais. Jonas, va dire de quoi? Oui, évidemment. Dans toute bonne équipe, il y a des malentendus. C'est normal, car ça prouve qu'on est humain. N'oubliez pas de voter pour les rouges. Wow! Ce fut des discours très émouvants. Ça me rappelle le voyage que j'ai fait avec ma famille en 2013. Merci, et n'oubliez pas d'aller voter. Thank you.
J'arrive pas à voir. C'est toi qui l'as inventé, la maudite application pour voter. Je peux pas croire que tu puisses pas rentrer dedans. Ouais, mais même si je pouvais, le tiers des élèves vont voter sur papier parce que leurs parents veulent pas qu'elle ait le téléphone intelligent. Quand on veut, on peut. Là, tu vas faire marcher ton cerveau parce que moi, je peux plus attendre. Pis si tu réussis à rentrer sur le site, tu pourrais peut-être enlever une coupe de vote à Francis. Sa prestation ukulélé de Imagine devant la file pour voter, c'était vraiment pas fort. Vous capotez les filles. De un, je sais pas comment faire ça. De deux, c'est hors de question. Le conseil étudiant, c'est du bénévolat sur ton CV. On va pas capoter pour ça. C'est pas vrai que je vais laisser P.O. gagner. Tu veux dire Francis? C'est ça que j'ai dit. Non, t'as dit P.O. Coudon, on dirait que tu tripes dessus. Mais, arc! Non! Il y a l'intériorité d'un melon d'eau. Je le toucherai même pas avec un bâton. Il y a toutes sortes de bâtons. Des pas très longs, des tout petits. Une épée, une perche de 25 pieds. Oh, puis laisse-moi tranquille, puis travaille. Chers élèves, chers professeurs, chers partis, chers candidats, chères filles, chers garçons. Mon Dieu, parle, va droit au but. Voici le moment que vous attendez tous. Comme vous en doutez sûrement. Alors, on se doute de rien, nous autres. Ce fut une lutte très chaude. Nous sommes fiers de vous annoncer que le nouveau conseil étudiant sera composé du Parti Bleu! Je demande un recomptage. Oublie ça, Denise, on a perdu. Je pars jamais. Denise, attends. T'es contente, là? Je suis une vraie loser. Mais en que je suis contente, je vais enfin retrouver Denise. Ma Denise. Pas Miss Compétition. J'ai été horrible, hein? Ben, tu sais, l'important, là, c'est ceux qui t'aiment pour vrai. C'est pas d'avoir l'attention de tout le monde pour prouver que t'existes, là. Tu sais, je le comprends, moi, le rejet que t'as vécu. Comment ça? Bravo pour les trucs que tu fais sur le web, ouais, hein? Je suis un peu coincée, Mathieu. Avoir de la place pour toi, non? Il y a une phrase qui manque, il reste la place dans notre équipe. Imagine devant la... C'est toi qui l'as inventé, la maudite application. Il y a toutes sortes de bâtons. Des pas très longs, des tout petits. Pas très long, des tout petits. Okay. Tu sais que mes parents, ils ont pas une scène pour moi. Ces élections-là, c'est une chance de prouver que je suis quelqu'un pis... Oh. Que j'ai... Oh, peur pour la santé des gens.
Il y avait les cheveux dedans. Oh,